ce side de Radio Campus Lorraine et United Rock Nation, bienvenue dans mon émission Le Tour du Metal. Aujourd'hui, yeah, pour cette interview en version confinée, on accueille le groupe Savage Annihilations. Salut les gars déjà, comment allez-vous? Ah ouais, super. Vous êtes prêts à toutes les questions que je vais vous poser pour tout au long de cette interview? On est chaud. Vous êtes chaud? Ok. Alors tout d'abord, présentez-vous, hein, que nos auditeurs de Radio Campus Lorraine ou ceux qui regarderont cette vidéo sur United Rock Nations connaissent Savage Annihilations. On vous écoute. Ouais, alors moi, c'est Mike, batteur du groupe, ouais. Et puis Yves le frangin, guitariste et chanteur. Ouais, les deux frangins. Ok, ça marche. Et aussi pour qu'on connaisse un petit peu votre univers musical, comment vous pouvez décrire votre style musical et d'où venez-vous déjà? Parce que vous passez sur les ondes Lorraine, mais vous venez de... Alors, on est du centre, près de Montargis. D'accord. On fait du brutal death pour moi. Enfin, beaucoup qui disent death metal old school, mais pour moi, c'est brutal death, je pense. Plutôt brutal. Ouais. On est plutôt dans le style un peu plus evil, parce que c'est vrai qu'on n'est pas des grands fans du death metal moderne, même si on en écoute un peu, certains groupes quand même. Ouais. Hein. Mais on écoute beaucoup de evil brutal death des années 2000, 90. D'accord. C'est sûr. Ouais, US majoritairement. Ouais. Après, brésilien avec Chris Boy, Rebellion, Ophiolatry, des trucs comme ça. Tout ce qui a bercé votre enfance, quoi. Votre jeunesse, c'est ça? Ouais. Ok. Si vous pouvez aussi un petit peu, juste avant que je passe à toutes mes questions, pour qu'on connaisse le groupe Savage Annihilations, hein, pour nos chers auditeurs de Radio Campus Lorraine, ta radio étudiante, 99.6 FM à Nancy, 106.1 FM à Metz, radiocampuslorraine.com, une petite biographie, hein, du groupe, et aussi un petit peu votre discographie. Sur le dernier opus, on y passera un petit peu plus tard, mais vous pouvez en parler un tout petit peu, simplement. On vous écoute. Ça. Par où je commence? Au début. Le début? Le début de Savage Annihilations, c'était en 2002. Mm-hmm. À la base, on était quatre. D'accord. On avait un bassiste chanteur, un deuxième guitariste. On a sorti un petit CDR, enfin un album quand même, parce qu'il y avait 8 titres. Ouais. Mais sous format autoprod CDR à l'époque. Qui s'appelle Death in Progress. À l'époque, c'était du chant en anglais. Voilà, c'était plus du death typé, quand même Six Feet Under et ce genre de choses. Okay. Parce que on est fun, hein, le blast et tout, c'était voilà, fallait le temps que ça se travaille, quoi. D'accord. Oui. Et dans les muscles et tout, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Le premier CDR. D'accord. Après, donc celui-là, on l'a sorti en 2002, si je ne dis pas de bêtises. Celui-là, non, 2004, pardon. Voilà, après, on a fait un CDR, c'était en coprod avec un petit label qui devait, lui, le sortir, en fait, qui ne l'avait jamais sorti. C'était avec des groupes, alors il y avait Visceral, Decay et Ad Nauseum, c'était français. Sinon, le reste était trop de quel pays. C'était Chili, Visceral, Decrypify États-Unis et Ad Nauseum, normalement c'était français. D'accord. Voilà, donc c'est un CD qui devait sortir par le label, qui n'a jamais été sorti. Donc nous, on avait tapé le délire quand même, parce qu'on s'était dit on n'avait pas enregistré pour rien. Ouais. Donc nous, on avait fait nous-mêmes des petits CDR en fait, puis on avait vendu ça, je sais plus, pas cher, en concert, histoire de faire trois de la nouveauté à l'époque. Ouais, d'accord. Nickel. Voilà. Après, on a fait plusieurs petites compiles, pareil, des CDR, des trucs, des potes qui sortaient ça. Donc une petite compile, trash par Human Homicide Record de Paris. Ok. Ils faisaient pareil, des petits CDR et tout. Et une tribute to Sepultura, parce que du coup, on avait enregistré un morceau de Sepultura, Stronger Than Hate, qui est dans Need the Remains. Voilà. Donc on avait fait ça. Après, du coup, on est passé du coup à Cannibalisme, qui a été enregistré uniquement par nous deux, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de bassiste. D'accord.
Donc Dave a fait guitare, chant, basse, et puis Ok. j'ai fait la batterie. Donc ça, c'est notre vrai premier album signé chez Chaotopsine à l'époque. D'accord, ouais. Voilà. En 2012. En 2012. 2012. Ouais. On a du mal avec les années, Ouais, non, mais pas de souci. Et donc après, donc on a mis quand même pas mal de temps, parce qu'on a pas mal tourné quand même. On a fait pas mal de concerts. Enfin, nous, on est plus scène que Ok. studio quand même, ça s'appelle plus. Donc, D'accord. on a tourné quand même pas mal. Et après, on a enfin pu réussir à enregistrer le deuxième album qui s'appelle Quand ça baisse la croix du blasphème. Celui-là, je me rappelle de cet album. Ouais, Voilà, ouais, ouais. sorti chez Xenocorp, et ce coup-ci, voilà, on avait un bassiste, Benoît Bonnojean, à l'époque. D'accord. Voilà, il a fait un super taf dessus, et là, on avait pour nous vraiment quelque chose d'unique, on va D'accord, dire. d'accord, d'accord. Et justement, c'est avec cet album qu'on s'est rencontrés. C'était quand vous avez fait une date sur Nancy, hein, dans le 54, avec Merciless. Hein, c'est là qu'on s'est Ouais, rencontrés c'est en ça. novembre 2017. C'est là qu'on Pardon? Excuse, ça a coupé là, pardon. qu'on s'est rencontrés, ouais. Ouais, c'est là que j'ai rencontré le groupe Savage Annihilation, donc j'avais déjà un premier aperçu. Puis aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait mon ami Davy de Lesdiens Photographies qui avait fait des super clichés hein, pour cette soirée. Et Par voilà quoi. photo. Voilà. Et qui continue encore, il fait même des clips hein, maintenant. Donc il a fait celui de Mortuary récemment, D'accord. Deepwave et Actesis. Et puis bon, il va en faire d'autres, hein. Surtout bah, pour la région Lorraine. Hein, donc voilà quoi. Et Ouais, c'est cool. pardon? C'est cool. Ouais, non, mais je suis un peu des fois. Ok. T'inquiète. Ouais, Puis c'est interne. c'est sûr, c'est. Mais bon, ça va, j'entends bien quand même. Problème. Alors, après, pour que. Donc, juste avant de passer au dernier opus, hein, qu'on va plus longuement parler de celui-là, déjà, ce choix Savage Annihilations, et un petit peu aussi, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de votre groupe, hein, si vous avez un concept, enfin, un projet sur ce que vous mettez en œuvre dans votre musique, déjà vos chants, ils sont pratiquement, enfin, tout ce que vous composez sont pratiquement tous en français, c'est bien ça? Ouais. Moi, en fait, j'ai envie de m'amuser, donc je me tape le délire à créer une histoire, en fait. Ouais. Ouais, je suis un gros fan des films de Georges Romero, déjà. D'accord. Le jour des morts vivants, c'est un de mes préférés, celui-là, j'aime beaucoup. Et ouais, j'aime beaucoup cette ambiance, les zombies, les trucs comme ça, un peu à la Cannibal Corpse et tout. D'accord. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de parler juste de zombies qui bouffent des gens, j'avais envie de partir un peu dans mes délires et puis de créer toute une histoire d'après ça, quoi. Alors du coup, je crée un peu au fur et à mesure. Là, comment dire, le nouvel EP, j'ai créé un peu l'histoire différemment de Quand ça baisse. Pourtant, on les a composés en même temps. D'accord. Mais j'avais envie de quelque chose de différent, justement. Je me suis dit, il y a 6 titres avec une histoire bien définie. Je me suis dit, je vais faire autre chose, un truc qui change un peu. Et du coup, c'est pour ça qu'après, je me suis dit, tiens, on va créer cette histoire-là. Genre, c'est la suite, quoi. D'accord, ok. Et on a aussi créé, du coup, pour continuer sur ce que tu disais, ouais. On aime aussi beaucoup le délire un peu old school, Maiden, Sodom et tout ça. Et du Ok. coup, c'est vrai que nous, on voulait. Alors, il y en a plein qui trouvent ça kitsch, mais nous, c'est notre délire. Et nous Wow, aussi, on voulait nice. créer notre personnage, en fait, notre D'accord. mascotte. Voilà, qui est d'ailleurs tout le temps sur les pochettes du groupe, le lieutenant Savage avec son masque, Ok. etc. Non, ça va être. Et en fait, il est narrateur de ce qui se passe sur un monde apocalyptique, en fait. D'accord. C'est Ah, lui c'est qui un. raconte, en fait, les paroles, c'est ça, en gros. C'est lui qui raconte ce qui se passe, quoi. D'accord. Alors, des fois, il est aussi acteur du truc, donc. Ça lui arrive à lui, mais sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de titres, en fait, il est que narrateur, il est là et il voit juste ce qui se passe, en fait. Dans Quand ça baisse la croix du blasphème, il arrive dans cet abri et il voit tout ce qui se passe et il raconte. OK. Après, dans Soumise à la procréation, il est plus acteur du truc, il agit, on va dire. Il est dans l'action. Donc en fait, là, si je résume un petit peu tout ce que vous dites,
Donc vous avez créé un personnage qui est de temps en temps acteur ou alors narrateur de ce que vous Ouais. proposez dans vos titres, hein. Donc Ouais, ça, je vous le dis très bien, mes chers auditeurs de Radio Campus Lorraine, hein. C'est pas parce que la scène est brutale, enfin je le dis sans arrêt, mais il y a toujours quelque chose qui est créé dans l'univers, hein, de chaque groupe, hein, que j'interviewe, que ce soit en dev, brutal, trash, enfin tout style, hein, au niveau de la scène métal. Et venez au concert, enfin supportez votre scène locale quand on pourra venir bien sûr au concert, mais déjà aussi je vous conseille d'aller voir Savage Annihilations sur toute leur discographie. Bon, de toute façon on va faire la promo bien sûr, hein, on va écouter des titres et vraiment aller dans le cœur du groupe, parce qu'il y a toujours une âme, hein, dans chaque groupe. Enfin j'interviewe, tu vois, moi ça me fait plaisir parce que je t'interviewe, mais en même temps je suis fan. Alors, je vais te dire pourquoi je suis revenu aussi auprès de vous. Et moi j'ai un petit peu le privilège, on va dire, toi tu me poses des questions, tu me redis un petit peu ton ressenti par rapport à comment le groupe a été créé et puis ce qui peut créer quand tu écoutes la musique. Et ben moi juste après l'interview, tac, tout de suite, je vais réécouter ton album, tu vois. Je vais également m'inspirer de tout ce que tu m'auras transmis. Bon, déjà tu m'as déjà transmis des choses parce que je vous ai écouté, hein, pour résumer. Donc en fait, j'ai le privilège parce que je suis en même temps fan de vous. Je fais la promo, hein, de ce que vous sortez comme âme par rapport à votre musique, votre concept et puis votre histoire pour le groupe et votre musique. Et pour moi, c'est un grand privilège. Et puis dès que j'ai écouté tout ça, le jour où je fais mon émission, l'émission du jour, mes chers auditeurs, je m'inspire un petit peu de tout ce que vous m'avez dit. Et tout au long de l'émission, mis à part l'interview, sur chaque titre, je vais donner une petite anecdote ou un petit fil conducteur pour qu'après la musique elle passe plus facilement, qu'on écoute, ah ouais, ça fait ça, ouais, boum, boum, machin. Ah non, c'est l'histoire. Et puis rentrer vraiment dans le cœur du groupe. Vous êtes d'accord avec moi, les gars? Yes, carrément, carrément. Ok. Eh ben allez, ça y est, on y vient. Donc, Savage Annihilations, on les interview déjà parce qu'on les aime bien. C'est la scène locale, c'est la scène française, underground, old school, hein, comme tu as dit, brutal death et tout, enfin, truc que j'adore, quoi. Puis qu'on écoute de plus en plus, hein, mes chers auditeurs de Radio Campus Lorraine. Et c'était un peu pour vous donner la patate, hein, en ce vendredi soir. Et donc, moi, je me rappelle, hein, qu'on a dit donc, tout à l'heure, je vous ai rencontré, donc c'était en novembre 2017, hein, quand vous avez partagé la scène avec Merciless. Il y a aussi Deep Red, hein, de notre scène locale en Lorraine. Et moi, je commençais déjà à m'attacher, déjà, j'avais vraiment adoré le concert. Je me dis, la prochaine fois qu'ils sortent un truc, tout de suite, j'écoute. Donc, j'ai eu la promo, hein, par Xenocorp, là. Bah, tout de suite, j'ai accroché, je me suis dit, c'est bon. Donc, j'ai commandé le merch, hein, j'ai acheté le t-shirt parce que moi je suis très support, très soutien à la scène locale, donc le CD. Et donc voilà, donc tout de suite je me suis dit, allez hop, je contacte les amis de Savage et puis pour une interview et pour vous faire découvrir la scène qui n'est pas Ça fait super spécialement, plaisir. ouais, qui n'est pas spécialement en Lorraine, mais aussi ailleurs, qui est venue en Lorraine. Hein. De toute façon, je ne dis jamais assez, notre scène locale est très riche, franchement. J'en découvre, je ne dirais pas tous les jours, mais déjà rien que dans ma région, c'est impressionnant tout le nombre de groupes qu'il y a, qui se forment et tous les jours, tu Y en a énormément, ouais, c'est vois. Ouais, clair. on ne peut pas tous les faire, c'est bien dommage, mais de toute façon, il y a d'autres émissions, hein, que ce soit dans notre région ou ailleurs, qui mettent en avant la scène locale et je trouve ça super, quoi. On se Hyper suit un petit important, ouais. peu tous, ouais. On se suit un petit peu tous, on a un bon petit réseau, je trouve, ouais, c'est magnifique, quoi. Alors, on y vient. Alors, ce nouvel EP, donc, il y a 3 nouveaux titres, hein, et puis 3 titres avec une tribute et puis des covers. Donc, déjà, vous allez m'expliquer, donc, hein, tu m'expliquais le personnage, hein, du narrateur. Donc, tu vas m'expliquer ça donc, par le biais de l'artwork, hein, qui est juste magnifique. Enfin, j'adore quand des pochettes sont bien soignées et qu'elles représentent quelque chose. Et tu vas me dire aussi cet univers, hein, Savage. Hein, avec tous ces titres, hein, qui sont en français, enfin, principalement vos compositions, mais également, j'ai vu que dans cette EP, avec les tributs et les covers, il y a des invités, et puis pas n'importe qui, quoi. Enfin, c'est des gens qu'on connaît de notre scène locale. Je vous écoute, allez, la parole est à vous. Déjà, quel est le nom? Et quand est-ce qu'il est sorti?
Alors là, oui, il est sorti le 10 avril. 10 avril, ouais. Je l'ai Bah, commandé nous, on l'a pas direct. encore. Hein. Ah. Je l'ai commandé direct. Ah bah, merci, merci, c'est cool. Oui, il est sorti le 10 avril, donc oui, il y a trois titres qui ont une histoire qui se suit, bien sûr, qui parle justement du lieutenant Savage qui arrive dans un genre de vieux monastère où il tombe sur une population qui essaye de créer une nouvelle race de zombies qui pourraient asservir leurs propres intérêts, on va dire, qui pourraient déchaîner contre leurs ennemis, les autres survivants du monde dévasté. Et du coup, bah, le lieutenant Savage tombe en plein milieu de ce rituel qui est l'orgie des morts. Et du coup, bah, il commence à rétablir l'ordre, on va dire, si on peut dire ça. Il commence à tous les buter. Et bah, en continuant dans les sous-sols de ce monastère, il tombe justement sur un médecin qui commence à faire accoucher une de ses femmes, parce que c'est un rituel qu'ils font depuis plusieurs années déjà. Il y a eu beaucoup comment dire, d'essais avant qu'ils arrivent à faire quelque chose. Donc quand il arrive, qu'il a fini de tuer tout le monde qui descend dans ses souterrains, bah, il tombe en fait sur un médecin qui commence à faire accoucher une de ses femmes. Et du coup, bah, il met fin tout de suite à tout ça. Il bute la femme, le médecin, et le bébé. Donc voilà. Et le dernier type s'appelle Souterre. Il parle d'un homme justement qui lui fait partie de cette population qui essaye de créer justement cette nouvelle race, mais que lui en fait il trouve que c'est débile, que ça va pas assez vite à son goût. Donc il va carrément chercher le diable là où il est en fait. Parce qu'il se sent, comment dire, lié à lui. C'est pour ça qu'il y a un passage dans le titre qui s'appelle Je suis lui, il est moi. Parce qu'en fait, il pense être le complément à Satan, si on peut dire, quoi. Et qu'en gros, Satan le comprend et tout ça. Et du coup, il va déchaîner le diable pour qu'il sorte et aille détruire tout ce qui reste. Un peu de survivants et ce qui reste de notre terre. Et bon, ça s'arrête là. Ensuite, le quatrième titre, c'est un hommage à Jeff Hanneman de Slayer. Super bien Bah, à fait. l'époque, quand on s'est mis à composer tous ces titres, à l'époque de quand ça avait sorti du Blasphème, bah, on délirait, en fait, on avait envie de créer, de monter un autre groupe de thrash, en fait. Ah, d'accord. On avait déjà trois groupes, mais bon, on s'est dit, tiens, on a envie de faire du thrash, on a envie de délirer. Du coup, on voulait qu'on monte un nouveau groupe. Et en fait, bah, on ne l'a pas fait parce qu'on n'avait pas le temps, tout simplement. Déjà, trois groupes, on galère pas mal. En fait, là, bah, on était pas mal sur des Fecal of Hyrd dernièrement. Ouais, Parce on que va y revenir justement. justement, on avait tellement fait beaucoup de choses avec Savage, beaucoup tourné, que bah, on s'est dit un peu chacun son tour, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que Savage, on avait un peu stoppé les concerts. On avait fait pas mal avec des Fecal of Hyrd pour sortir notre nouvel album, tout ça. Et on a aussi Braincult qui s'est arrêté pendant un temps, mais là on commence à repartir tout doucement. On fait pas trop de concerts, on voudrait du nouveau. Donc du coup, tant qu'on n'a rien en nouveau titre, ben, on fait pas de concert. Donc du coup, c'est vrai qu'on était un peu parti à se dire on va se faire un nouveau groupe de thrash, et puis au final, on a lâché l'affaire parce qu'on s'est dit qu'on n'avait pas le temps, et puis ça serait trop compliqué, retrouver des musiciens avec qui faire ça. Si c'était encore pour se retrouver que tous les deux, bah ça sert à rien. On restait avec quoi. Donc du coup, bah, on avait déliré sur un riff que moi je faisais tourner en boucle, qui sonnait Slayer en fait. C'était pas du Slayer, hein, j'ai jamais copié. Mais du coup, c'est vrai que ça sonnait très Slayer. Et puis bah, quand Jeff Hanneman est mort, bah du coup ça nous a foutu un petit coup. On s'est dit, bah tiens, on avait ce riff qui tournait en boucle, on va faire un petit hommage, ça fera un titre de Savage, vu qu'on faisait tourner pas mal ce titre et qu'on n'avait pas envie de le laisser de côté. On s'est dit, bah vas-y, on va en faire un hommage. Bon, après, pour les paroles, on n'a pas été chercher bien loin. J'ai tout simplement pris des paroles, des titres de Slayer, et en fait, je les ai tournés de façon à ce que ça fasse des paroles qui parlent de Jeff Hanneman, qui est pour moi Slayer, en fait, le Ouais, bien tueur. sûr.
Du coup, on est parti dans notre délire, on a fait ça, et puis bah, on avait essayé de le faire avec moi au chant, mais bon, non, c'était pas terrible, ça nous convenait pas, on préférait avoir des vrais thrashers pour le chanter. Comme on a pas mal de potes. Ouais, Ouais. bah Du coup, oui. on a tout de suite à notre pote Jules de Pleasure to Kill, Ah, d'accord. qui est du Gatineau Ticket, Un petit groupe de chez nous, bien en ouais, français. un petit groupe de Ouais, chez nous, bien. Et puis bon, c'est des potes, on se voit souvent, on délire pas mal, on a un peu le même délire. Ils ont même fait des acteurs pour mon petit sketch que j'avais fait il y a 2-3 ans, là. Donc du coup, bah, c'était normal que lui chante dessus. Et puis bah, c'est vrai qu'on suivait pas mal Witches. On a ouais. pas ouais, avec eux, on allait pas mal les voir en concert. Et puis c'est vrai que bah, Sibyl, elle a une voix de taré, quoi. Ouais, Une voix bien sûr, de je comprends. sorcière. Du coup, bah, c'est vrai que Mike, je vais pas dire qu'il est plus stable que moi, mais peut-être que oui. Moi, j'adore Witches, mais c'est vrai que lui, il a acheté tout ce qui passait, quoi, tous D'accord. les coffrets, les machins. Et du coup, bah, lui, c'était normal qu'il y ait 6 000 dessus, donc bah, on l'a appelé, il était d'accord, donc on était très contents. Donc avec Dums, ils sont aussi potes en commun, ils se Ouais. connaissent aussi, hein, ils ont Ouais, déjà joué de toute ensemble, façon, tout on est. ça. Et c'était vraiment cool de pouvoir réunir les deux potes en fait, hein, et du coup Ouais. qui se sont partagés le truc et tout, ça s'est super bien passé. Et les deux chants, enfin pour ma part, les deux chants se mélangent vraiment super bien. Très bien. De toute Et façon, puis on du coup, c'était est. cool. Comme On a fait j'explique. Ouais, tous ensemble. Merde, excuse-moi. Vas-y, je t'ai coupé, vas-y. excuse-moi. Non, mais comme j'explique pour nos chers auditeurs, hein, qu'on remette. Donc, en fait, Sibyl, c'est ni plus ni moins donc, la sœur de Alex, hein, le chanteur d'Aggressor. C'est bien ça. Donc, et puis, comme explique, hein, donc, le groupe Savage Annihilation, Dave et Mike, sur la vidéo, enfin, ou sur l'audio pour vous, sur Radio Campus Lorraine, donc, qui explique que. Chaque enfin, composition ou chaque délire que vous faites ensemble, c'est toujours avec vos amis du coin, rassembler toutes les personnes de la scène métal et puis Voilà, ouais, des gens en faire d'herbe, toute une fête. voilà, des gens. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe de toute façon un peu partout. Moi, je peux vous dire qu'en Lorraine, on est heureux de se retrouver quand c'est des concerts ou quand il y a des organisations comme ça. Puis après, ça donne des idées un petit peu à tout le monde sur des projets à faire et tout. Et c'est juste magnifique pour moi, de toute façon, que ce soit un concert de métal ou quand on fait des interviews, enfin bref, quand on est avec ses potes, pour moi, c'est toujours une fête, une fête de famille, hein, de la famille métal, C'est ça, que ça dure. Et c'est ça. j'en ai déjà pas mal à faire, hein, au niveau Lorraine, mais ça m'intéresse, et c'est normal, hein, parce que support une local scene, hein, quelle que soit en France, surtout que vous êtes passé donc en Lorraine. Et ça fait extrêmement plaisir d'entendre, hein, bah, un petit peu les mêmes choses qui se ressentent aussi chez nous. Et en fait, elle est partout en France et je pense qu'elle est partout au niveau de la scène locale, quel que soit le pays, etc. Je suis aussi les Allemands, enfin, c'est juste super, quoi. Donc venez au concert, achetez leur merch et tout. Ils donnent du cœur. Et puis comme Dave expliquait, regardez toute l'histoire autour du lieutenant Savage. Enfin, c'est juste comment. On peut avoir des idées comme ça, enfin, je trouve que c'est magnifique. Et puis après, le ressortir sur la musique, sur la composition, enfin, c'est superbe. Et ça va me donner envie d'écouter le lieutenant Savage, franchement. Donc, d'autres choses à rajouter par rapport à cet EP. Et puis, donc, les invités, hein, tu rappelles, donc, il y avait Max, hein, de Merciless, Sibyl. Et Loïc de Chronos, hein, qui a splitté malheureusement, c'était ça? Ouais. Malheureusement, ouais, Chronos, ouais, ça a Ah, splitté. c'était un groupe qui tournait énormément. Pour Loïc, on l'avait rencontré en 2009 avec son groupe Diluvian. On avait joué On avait ensemble joué assez ensemble à souvent. l'époque, ouais. Et c'est vrai que D'accord. pas mal sympathisé avec les mecs de Diluvian. Ils étaient vraiment cool. Puis bah, je t'avoue qu'on a été étonnés sur scène parce qu'on connaissait pas du tout. Et puis tu vois le groupe, ça saute partout, ça joue propre, nickel. Enfin bon, nous, on avait pris un peu une claque dans la gueule à l'époque. On connaissait pas du tout et puis ils nous ont botté le fion. Et du coup, c'est vrai qu'on était resté en contact de temps en temps, on se voyait de temps en temps, bah, notamment en Motocultor, ils avaient joué avec Chronos, on s'était recroisés, et c'était cool, on avait essayé de parler pendant une demi-heure, 1 heure, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui le reconnaissaient de Chronos, et du coup, ah salut, ça va? Donc du coup, on avait un peu de mal à causer, et du coup, mais bon, sinon, on avait réussi quand même à se parler pas mal, et du coup, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, et puis du coup, bah, pour Halloween, on cherche un vrai chanteur de death metal, là, qui est, enfin, quand je parle de vrai chanteur, c'est-à-dire un mec qui est capable de faire du heavy metal, mais avec une voix death, D'accord. si tu Wow. veux.
Bah, c'est un peu bizarre à expliquer, mais c'est vrai que Je moi, dans comprends mon ce que tu style veux de dire. chant, c'est assez linéaire, quoi. C'est brutal death et c'est tout, quoi. Mais c'est vrai que il y a certains chanteurs, comme bah, le chanteur de B19 ou des trucs comme ça, qui sont capables de te faire plusieurs octaves, plusieurs styles. C'est impressionnant. Et ouais, dans le heavy metal, c'est beaucoup ça. Ils font Sauf beaucoup que c'est du d'octaves. vrai heavy metal, quoi. Voilà. Et du coup, on voulait pas Ouais. pour death metal, et c'est vrai que bah, Loïc Trivette, il était capable de le faire, et du coup, on lui a demandé, et bah, ça a été au-dessus de nos espérances, parce que c'est carrément excellent. Enfin, nous, personnellement, on est super contents, quoi, du Bah, taf qu'il a fait, quoi. on trouve que pour un morceau de. Bah, déjà, faire une reprise d'Helloween pour un groupe de death metal, c'est pas commun déjà. Déjà. Après, c'est un morceau qui est très peu connu quand même d'Helloween, le morceau Savage. Ouais. Enfin, les fans connaissent, mais sinon, Il est bon, bien choisi quand même pour vous. Ouais, bah voilà, bah c'était le but. C'est un morceau qu'on adore vraiment, qui est quand même pour nous plus trash musicalement que heavy metal. Ça doit être un morceau le plus brutal en fait. Et voilà, donc pour nous, ça nous tenait vraiment à cœur de faire cette reprise. Et surtout, bah voilà, de pouvoir avoir Trivette qui a accepté tout de suite, sans rechigner, alors qu'il connaissait pas forcément, je pense. Ouais, je sais même pas s'il est fan d'Halloween ou pas. Et voilà, il connaissait pas forcément. Il a accepté direct et il a fait un super boulot sur ce morceau, quoi. toute façon, on va l'écouter. Hein, tout le fil de l'émission, de toute façon, on va écouter tout l'EP, hein, puis plus d'autres titres. C'est Hein. cool, Ouais, c'est vous cool. inquiétez pas, c'est Merci. normal. Et justement, bah, je raconterai un petit peu vos anecdotes, hein, vis-à-vis de ça, hein, parce que c'est votre un petit peu votre interradio étudiant entre Radio Campus Lorraine, c'est un petit peu votre oral de français, mais comme vous me donnez des petites leçons donc sur votre comment vous créez votre musique et puis aussi votre environnement, etc. Bah, je vais aussi au nom de cette émission, mes chers auditeurs de Radio Campus Lorraine, expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti avec toute cette interview avec Savage Annihilation, c'est-à-dire Mike et Dave. Mais il n'y a pas que ça comme groupe, hein. On va y venir, ne vous inquiétez pas. Ok, donc on termine le dernier truc donc avec ce nouvel EP. Donc il y a trois titres, donc un tribute et deux covers. Donc juste au niveau de l'artwork, si tu peux dire comment il a été réalisé, tout ça, enfin, c'est toujours des pochettes, comme je dis, cinématiques. Est-ce que tu l'as à côté de toi, là, ce CD? Bah non, en fait, non. Ah, non, moi non Bah, du plus, coup, avec tout ce merdier, bah oui. malheureusement, Bah oui, je suis on n'a pas. bête. Bah oui, je suis bête. Non, moi, Avec c'est le pareil. confinement, on n'a pas eu encore le matos. Incroyable. En fait, si tu veux, bah, justement, ça raconte l'EP, tout simplement, le lieutenant C'est Savage ce que qui tu veux arrive dans ce expliquer? monastère, Ouais. et qui voit justement bah, des zombies, des femmes qui sont esclaves, justement, qui ont été soumises à la procréation Ah juste d'accord, pour voilà ça, soumise à la alors des gars. procréation. Ok. Par qui il a été réalisé cet artwork, qui Alors, est dessiné, parce que ouais. j'explique, je te laisse la parole juste après, parce que j'explique aussi encore à mes chers auditeurs à Radio Campus Lorraine, ou alors vous qui regardez cette vidéo sur United Rock Nations. Donc les groupes, bien sûr, ils composent, il y a un concept ou alors une histoire ou tout un projet autour de leur groupe, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté artistique, hein, donc qu'ils soient au niveau du dessin, de la représentation graphique, etc. On t'écoute, Mike. Voilà, donc bah, en fait, bah, la pochette, comme d'habitude, c'est un pote à nous qui est sous le nom de Poops Undead Creation, voilà, qui a fait toutes nos pochettes de Savage depuis le Depuis le début. commencement, en fait. Hein, c'est un ami d'enfance. Déjà, Death in Progress en 2004, c'est lui qui avait fait le dessin. D'accord. Voilà, nos groupes avant Savage, c'est aussi lui qui faisait les dessins. D'accord. Bon, il a toujours dessiné pour nous, en fait. Un ami d'enfance qui n'en a pas forcément fait son métier, qui fait plus ça pour la passion et un hobby en fait, hein. Mais comme tout Mais le monde, hein, on est tous passionnés, quel que soit dans l'univers enfin, qu'on veut transmettre, quoi. Ouais. Je te ouais, laisse mais voilà, continuer. du coup, encore une fois, bah, on a fait appel à notre pote Poops Undead Creation, donc qui lui a créé notre mascotte, le lieutenant Savage, je crois, depuis le début en fait, hein. C'est comme ça qu'il est d'ailleurs, le lieutenant Savage. Voilà, C'est d'accord. lui. Un dessin, je l'ai vu et j'ai dit putain, il est génial ce dessin, je le veux. Ouais. Et en fait, oh, c'est là qu'il est né, en fait. Ouais, c'est grâce à lui. Ouais, Ouais. excellent. C'est Il m'a super, inspiré. quoi. Donc en fait, je le répète encore une fois, mais de toute façon, je le répéterai jamais assez, mais quel que soit hein, sur tel univers, hein, enfin,
que ce soit au niveau graphique, composition, histoire, concept. Donc même nous, en tant que médias ou les photographes, etc., on est une même famille, un réseau, enfin, franchement, qui s'étend de plus en plus, avec des découvertes ou alors toujours du renouvellement. Moi, je connais par exemple des petits jeunes, hein, de Nancy, ils ont 18, entre 18 et 20 ans, bah, ils se remettent à la mode old school. Et ça fait plaisir quand même, tu vois. Moi aussi, Il y en a de plus en plus. voilà, je suis pas non plus spécialement très très fan, entre guillemets, hein, je dis bien, parce qu'il faut quand même que je fasse de la promo pour un peu tout le monde sur le métal moderne. Mais je trouve quand même, il y a quand même des jeunes, donc chez nous, Fractal Universe, Catalyst, en termes de death metal technique, et Fractal Universe, bah, ils créent quand même des choses qui sont chouettes, qui sont magnifiques. Je les ai vus au Rock Metal Camp il y a 2 ans, je crois. Un an ou deux, je sais plus. J'ai été surpris, puis un putain de niveau, quoi. Ah ouais, non, mais c'est juste impressionnant. Et c'est pareil, ils ont aussi leur univers, leur concept, enfin, quel qu'il soit, que ce soit le catalyste, donc c'est le catalyseur et le huissage, enfin, tu vois, on retrouve un petit peu partout, donc quel que soit le style, quel que soit aussi, hein, si c'est plus moderne ou old school, mais le cœur y est, la passion est là, et dans tout ce qu'on peut faire au niveau de la promo de la scène locale metal underground en France. C'est ok les gars, hein, c'est exactement ça. Moi, ça me fait énormément plaisir parce que vous voyez, vous venez de Montargis, donc dans le centre de la France, et vous me dites des choses qui sont les mêmes que celles de notre région. Enfin, pour moi, c'est super. J'adore ça. J'adore faire ça. J'adore en plus le retransmettre à vous, nos chers auditeurs de Radio Campus Lorraine, vous qui suivez la vidéo sur United Rock Nation. Enfin, plutôt, je suis content que vous le transmettiez parce que, donc, en fait, c'est par le biais du média. Je Voilà. pense vraiment que c'est ça l'esprit métal aussi, enfin le bon esprit C'est métal. l'esprit métal, exact, ouais. C'est Et ouais. ça, Faire c'est. du. Ouais, ça, c'est pareil quand je faisais les interviews en anglais. Enfin, tu interviews des stars, que ce soit le batteur de Cannibal Corpse, le chanteur d'Exodus. Eh bien, ils ont toujours le même état d'esprit. Dernièrement, c'est un interview écrit avec le guitariste de Cradle of Filth. Eh bien, pareil, tu vois, les mecs qui restent humbles. Et ça fait chaud au cœur parce que les mecs qui côtoient des Slayer, des Danny Filth, enfin tout ce que tu veux, bah, tu vois, non. Pour eux, la passion, ça reste la passion. Le travail, quel qu'il soit, quel que soit le niveau, ça reste du travail de passionné. Et puis, comme tu dis, c'est l'esprit métal. C'est ça. Ok. Alors par rapport, donc on continue puis on termine donc avec Savage Annihilations, mais bon, on n'en aura jamais fini, hein, parce que de toute façon on est tellement passionné qu'on a tellement à dire de choses, et puis je l'entends, hein, par rapport à tout ce que vous dites. Alors parlez-nous aussi, hein, parce que donc vous faites de la musique, la composition, tout ça, mais il n'y a pas que ça, parce que donc il y a aussi le... Ouais, Getting It Cut Metal Alliance, attends. Il y a également le Gatineau Cult Metal Alliance, hein? Donc dites-en deux mots par rapport à ce festival. Alors, bah, c'est un festival maintenant qu'on fait depuis 4 ans. Ouais. Au départ, les 2 premières années, coprod avec la mairie de notre bled, Timory, du coup. D'accord. Comme c'était en coprod et tout, du coup, c'était pas le même nom. Donc après, on a voulu se débrouiller tout seul, pouvoir gérer nous-mêmes. Donc on l'a appelé le Gatineau Cult, donc parce qu'en fait on est dans le Gatineau. Voilà. Et donc c'est une idée encore de notre pote Dooms de Pleasure to Kill. Connecticut, Gatineau Cult, tu Ah, vois, c'est à l'américaine. d'accord. En gros c'est le Texas de chez nous, quoi. C'est C'est ça. D'accord. Donc voilà. Parce que des trucs de ouf dans notre coin. Donc l'année dernière, se passait le premier Gatineau Cult Metal Fest. On a fait jouer les potes de Sublime Cadavérique Décomposition, Ritualisation, les Suisses de Carnal Decay, enfin les amis de Witches. Enfin voilà, on avait une belle affiche. On a ramené pas mal de monde. Ça a bien marché. On était contents, surtout pour un bled comme chez nous, quoi. Ouais, On s'y attendait pas. On s'y ah attendait pas du d'accord, tout. Et génial. cette année, on avait fait ultra fort, enfin pour moi, on avait fait ultra fort. Notre meilleure, enfin la plus grosse affiche qu'on ait jamais faite On a, dans les concerts depuis 2004, qu'on a fait des concerts par-ci par-là, et avec, on n'a jamais fait. avec une tête d'affiche comme Sévère Torture, les copains de Mortuary qu'on a rencontrés il n'y a pas si longtemps, nos grands amis de Merciless, nos grands amis de ah ben Merciless, ça encore y est, ça. une fois, hein,
Et d'ailleurs, sur notre reprise de When Satan Rules This World de D-Side sur le nouvel EP, qui a accepté de monter sur cette reprise d'ailleurs. Merci. Ouais. Et il y a aussi Léla L de Algérie. Ok. Des potes à moi aussi qui font du death de ce métal. Ouais, du bon brutal. Et il y avait aussi Slave One qui avait joué. Aussi des potes de chez nous que je conseille à tous les Lorrains d'écouter parce que c'est vraiment du super bon death metal technique, brutal. Les mecs sont super doués, quoi. Il faut aller les écouter. Slave One, hein. J'insiste. Ouais. Ouais. On passe un morceau. J'en ai déjà passé avec tous les groupes que vous dites, hein, j'en ai déjà passé. Hein, j'ai fait plus de 100, enfin, je vais pas dire 1000, mais pas loin d'émissions, de playlists et tout ça. Enfin, tous les groupes que vous dites, pas tous, mais en partie, je les connais, j'ai passé des titres. Ouais. C'est cool. C'est bon, voilà, c'est vrai qu'il Il y avait aussi nos potes d'Impureza d'Orléans. Je sais pas si vous connaissez Impureza, je pense que oui, quand même. Oui. Signé chez Season of Mist, qui mélange du death metal et du flamenco, et ça c'est pareil, c'est vraiment... On était content de les faire jouer, on essayait justement depuis pas mal d'années de les avoir, et c'est vrai que c'était jamais l'occasion, et là c'était l'occasion, et du coup ça se fait pas, on est un peu déçus. Mais bon, et normalement on devait jouer aussi avec notre groupe à nous, Defecal of Gerb, notre groupe de grind. Ouais, on va y revenir. Okay, voilà, mais bon, du coup, donc on espère, on verra, mais on espère pouvoir remettre ça l'année prochaine et pourquoi pas avec la même affiche parce que c'est vraiment une affiche qui nous tient à cœur. C'est super, on vous le souhaite. Hein. Puis de toute façon, on sait que là, tout ce qui est concert, ouais, pas mal de choses sont gelées, mais ça sera encore plus fort quand ils vont venir. Et donc, je pense que l'année prochaine, hein, ça va être vraiment une émotion forte hein, de pouvoir tous se retrouver et on va faire une fête. Encore 10 fois plus que d'habitude. Ok, écoutez, j'ai fait un petit peu le tour hein, de Savage Annihilations, un petit peu aussi de votre passion, enfin qui est à une grandeur infinie, on va dire. On vous dit que vous avez 3 groupes. Moi, j'en connais un autre. Hein, bah, justement, tu en parlais, c'est Difficult of Gerb. Difficult of Gerb, pardon. Et moi, ce titre. Tu peux le dire à la française, en Defecal fait. Defecal of Gerb, d'accord. C'est même comme ça qu'on le dit. Hein. C'est même comme ça qu'on le dit. Defecal of Gerb. Parce que c'est vraiment du franglais. Ouais, c'est ça. Ouais, donc moi, je disais avec Defecal of Gerb, je veux dire, je regardais tous les titres. Hein, comme, c'est déjà votre clip est juste magnifique avec ton groin, c'est pour ça que je t'avais envoyé une vidéo avec le cochon et tout ça, enfin oui, enfin, c'est juste du pur délire et tout, enfin je pense que c'est ça, donc raconte un petit peu ce délire de groupe hein, de Grind Defecal of Gerb, toujours également aussi sur, avec le label Xenocorp, hein. C'est bien ça hein. Tout à fait, ouais. Ce qui n'était pas du tout prévu à la base. D'accord. Mais c'est vrai que Nico a vachement accroché. Je pense que même lui ne s'attendait pas à ça, parce qu'il ne connaissait pas plus que ça. Je pense que quand il a écouté l'album, du coup, ça l'a vraiment motivé. Donc, il nous a proposé le deal. Nous, voilà, Nico, c'est notre pote. On a dit oui tout de suite. C'est grâce à lui aussi qu'on a pu exporter notre musique, quoi. Donc, Oui. Parce qu'il faut aussi se souligner. Enfin, moi, je le vois maintenant. Xenocorp, hein, parce qu'il y a Mortuary hein, qui ont signé sur le dernier album, qui est un pur chef-d'œuvre, on ressent le Mortuary. Ils ont fait un petit peu un peu modernisé leur musique. Hein, mais bon, voilà. Mais pour ma part, ça leur va vraiment très très bien. Ouais. Et là, c'est Davy hein, de l'Edirc Photographie qui a fait leur clip Delete Replace. J'étais là le jour-là, je portais les lampes et tout. Enfin, on a passé toute une après-midi d'enfer. Enfin, c'était génial avec le groupe. Le résultat était là pour mettre en puissance ce nouvel album. Et donc, je parlais donc de Xenocorp. Hein. C'est vrai qu'un très, très grand soutien pour la scène metal brutale, underground. Hein. Je vois Nico, tout ce qu'il partage et tout. Donc, il me fait découvrir hein, des groupes. Donc, vous, je vous connaissais, il n'y a pas de souci. Mais quand j'ai reçu tout de suite, là, pour moi, j'ai eu Tax Savage Annihilation, c'est iCiri, le Xenocorp, Your Promo. Je dis aussi en franglais. Hein. Tout de suite, j'ai accroché, je me suis dit, allez hop, c'est bon. Je rappelle les gars, puis en espérant vous voir très bientôt. Hein. D'accord? Donc, ça, c'était un petit peu l'histoire de Defecal of Gerb. Donc, vous me dites, alors, c'est pareil sur le. Alors, Gatinet, tu vois, ça y est, j'ai mis un Gatinet Cult, tu vois, mais je sais mieux le dire, parce que dès que tu as dit
La signification en français, c'est plus facile. Ouais. Et ben, sache que aussi, hein, de toute façon, je suis obligé de dire un petit peu des similitudes, hein, qu'il y a au niveau de notre région Lorraine. Donc, nous, on a donc l'Irish Fest, on a le Bestial Fest, on a le Metal East Evening, le Bambi Metal Fest, ou Merciless, c'était venu, hein, donc en Oui. novembre dernier. Et c'est pareil, enfin, comme je le dis encore, c'est toujours. Quand je dis la même histoire, pas dans le sens, c'est toujours la même histoire. Non, c'est toujours la même chose. Enfin, on sent que le cœur qui soit là, là ou là, c'est toujours pareil, c'est superbe. Continuez les gars. Nous aussi, on est là, hein, que ce soit les médias, les photographes et tout, puis pour faire la promo. Continuez, c'est super, c'est génial. Ok, donc là, on a fait un petit peu tout le tour, hein, de vos groupes, de votre passion et tout. Donc vous dites que vous êtes plus au niveau de la scène, hein, c'est ça, plutôt que par rapport à la composition. Alors par rapport à ça, quels sont, on va pas tout citer, hein, toutes les tournées que vous avez faites, etc. Mais si vous en aviez, on va dire, une à retenir, ou un groupe avec qui, avec qui vous avez partagé la scène, une anecdote qui restera dans votre mémoire. Une ou deux, hein. Il y en a beaucoup, mais C'est après, dur. c'est vrai que je pense que, moi, ce que je retiens le plus de tout ce qu'on a pu vivre, c'est quand même notre tournée européenne avec Merciless, et Voilà. Avulst, ouais. Et à Qui a Vulst, duré, voilà, avec Avulst, qui a duré 9 dates, que nous, on a prolongé seul sur 12 dates, du coup. Et on était d'ailleurs revenu à Nancy Avec Svartkron. jouer avec Svartkron. Et un groupe Ah de. oui. Et un autre groupe, c'était merde. Godspell? Non, c'était pas ça. Non, Non, c'était pas ça, ça. c'était au Mans. Bon, bah alors, je me mélange, mais. Merde. En tout cas, si j'ai quelque chose à retenir, moi, franchement, c'est vraiment cette tournée européenne, parce que Merciless, c'est un groupe avec qui ça a collé tout de suite. Sont super sympas. Ils sont tous adorables. Ah oui. Max, je le vois un peu. Il pourrait être mon papa, tu vois. C'est Ouais, mon meilleur pote, mais en même temps, d'accord. il pourrait être mon Ok. papa. Enfin, tu vois. Enfin, voilà, c'est vraiment le groupe avec lequel on a partagé le plus de trucs. Et c'est vrai que dès qu'on a fait cette tournée européenne-là avec eux, après, on a fait le maximum pour refaire et refaire et refaire encore des dates communes. Parce que c'est pas que faire un concert, c'est partager des putains de moments, des C'est super ça, soirées, c'est etc., quoi. exactement ça. Et ouais, ils sont tous cool. Lolo, nous on l'adore, on n'arrête pas de délirer avec lui. Gauthier, c'est pareil. Ah, Laurent, Gauthier, d'ailleurs, il est de chez nous, Pierre il est de chez nous, Michel. le Gauthier. Hein. Ah. Il est de chez nous, le Oui. Gauthier. Oui, Il excellent, était ouais. dans Dehumanize et Actesis, hein, sur Nancy. Ouais. Enfin, Metz et Nancy. Et Laurent, d'ailleurs, Laurent de Mercier, d'ailleurs, qui nous a fait le montage pour notre vidéoclip Irate de Quand ça baisse la croix du blasphème. Le D'accord. montage par Laurent, qui s'est proposé gentiment, en fait. Voilà. Et qui nous a fait un truc bien, bien cool. Ouais. C'était vraiment de sympa. Après, sinon, notre anecdote, il y a aussi notre tournée avec les Lael et Corrosive Elements de Paris. De ça, je Les les connais Lael, aussi. on avait déjà joué, justement, les Algériens. Ouais. On avait fait 3 dates ensemble et ça c'était vraiment un putain de moment aussi. Hein. Nous Corrosive Elements, on les adore, c'est des mecs excellents et puis leur musique a des boîtes. Si vous aimez le trash, ouais, un peu limite crossover, hein, je vous conseille vraiment d'écouter Corrosive Elements de Paris. C'est bien rock'n'roll, ça bon esprit. super beau. C'est le genre de Pareil. groupe qui tourne pas assez à mon goût, quoi. Y a pas assez de gens qui connaissent ce groupe-là, ils devraient vraiment s'y coller, quoi. Parce que je pense que ça serait un pilier de la scène trash française. Si vraiment ça décollait, ça pourrait devenir un groupe qu'on verrait partout, en fait. J'ai passé un titre, hein, de toute façon, une fois sur une de mes émissions, et ouais, Tu bah, j'ai as accroché tout senti de quoi? suite, quoi. Pardon? Hein? J'ai passé un titre de Corrosive Elements sur une de mes émissions, enfin, tout, Ah vous voyez, toute, ouais, non, mais toute la ok, scène, cool. locale est là, hein, enfin, une bonne partie, quoi. J'ai passé on va dire, plus de 1000 groupes, hein, c'est sûr. J'imagine, Hein. ouais. C'est Bah, cool. Disgracide aussi, tu dois connaître du coup. Pardon? Disgracide. Oui, bah oui. Bah Bah, après, je pareil, peux vous. voilà. Non, la tournée qu'on avait C'est. fait avec eux, c'était un super moment aussi, Et ça. très bon pote aussi, ouais. On avait bien On galéré. avait d'ailleurs fait jouer au premier Getting Ticket Metal Fest. Oui, D'accord. aussi. Ah non, mais de toute façon, je connais énormément de groupes. Après, je peux pas dire que je les connais en profondeur, comme après, Bien tout sûr, ça. Voilà, ouais. après,
tout de suite ça me dit quelque chose et après il suffit que je réécoute. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Putain, mais après, Ouais. ça, il y en a tellement que je te dis, c'est riche et tant mieux, hein, parce que ça perdure et que ça ne s'arrête jamais. Ok. C'est clair. Donc, C'est clair. je pense que mes chers auditeurs, hein, ou alors vous, sur United Nations, hein, vous connaissez un petit peu, enfin, vous connaissez beaucoup maintenant l'univers de nos chers Mac et Dave, hein, deux frangins, hein, qui sont là, qui ont trois groupes et qui font vivre la scène métal par leur musique, par leur joie, enfin, tout ce qu'ils peuvent transmettre et tout, c'est super. Alors, moi, je voulais savoir quand même, bah, depuis quand, hein, vous faites. Vous êtes dit, tiens, c'est quel artiste qui m'a donné envie de faire du métal? Depuis quand, en fait, vous êtes noyé dans le métal, quoi? Moi, c'était en 1986. Donc, c'est vieux, hein? Mais bon, pas tant que ça. Pour moi, ça va. Mais je ne savais pas, tu vois, sur quel style. Hein, pour te donner un petit peu une anecdote, j'écoute un petit peu de rock, de pop, de techno, tout ça. J'ai dit, non, j'aime pas trop. Une fois, je suis allé dans le bus, hein, j'allais au lycée. Il y en a un qui m'a donné son Walkman, il écoutait Master of Puppets. Direct, paf, Battery, machin. Je dis, bah, c'est bon, c'est ça que je vais écouter, quoi. J'ai écouté 2 minutes, c'est bon. Et depuis là, j'écoute le métal et j'ai pas arrêté, j'en suis passionné, quoi. Voilà. Alors vous, quand est-ce que vous êtes noyé, tombé dans la marmite? Bah, moi, je sais pas, je vais avoir 9 ans, Vous je avez quel âge, pense. là, sans indiscrétion? Hein? Vous avez quel âge à l'heure actuelle, là? Parce que tu disais Moi, que même. Que, tu dis. Tu dis que. 33, moi, j'ai 33 et mon frangin, va avoir 35. Ah, Va avoir d'accord, 35. ouais, donc vous avez à peu près. Voilà, on a que 2 ans d'écart, ouais. Bah, moi, c'était, ouais, il y a. Non, t'avais moins que ça, puisque moi, j'ai commencé à écouter. Moi, j'ai découvert le. Bah, en fait, j'ai commencé avec le punk, j'avais 7-8 ans. Ah ouais, quand même. Et ouais, j'ai. Avec le punk et bah, Pink Floyd, parce que Pink Floyd, Oui, bien sûr. quand j'ai écouté ça m'a retourné totalement. Ouais. J'ai complètement aimé. J'ai toujours écouté un peu de musique avant, j'aimais déjà ça, mais moi je trouvais pas ce qui me plaisait. Et puis c'est vrai que quand j'ai écouté Pink Floyd, les Sex Pistols, Exploited, des trucs comme ça à 7-8 ans, ça m'a vraiment plu. Mike un peu moins. Le punk, ça a jamais été trop son délire. Il était plus Elvis Presley, lui. Oui, bon, Et, après, à l'image, donc, nos parents sont de gros fans d'Elvis, du coup on en écoutait beaucoup aussi. Ainsi que Jane Vincent, des trucs comme ça. Et du coup, bah après, on a écouté un peu de punk, tout ça. On a un peu dévié sur Deep Purple, Black Sabbath. Bah, c'est devenu un peu plus tard Black Sabbath, mais Deep Purple et Led Zepp. ouais. Et surtout quand moi j'ai découvert AC/DC, alors là, Ouais, oui. AC/DC, j'ai halluciné. J'ai vu la vidéo de Live at Donington 92. Ah d'accord, J'ai. oui. Je me suis dit, mais comment un mec comme ça, d'un coup, il arrive, ça y est, tout le monde est fou. Et la musique et tout, enfin, moi, ça m'a retourné, quoi. Et Et du coup, dans bah, le... t'es intéressé un peu. Et j'avais, ouais, 9 ans, je crois, quand j'ai découvert AC/DC. Et bah, au fur et à mesure, on commençait à se faire tourner des CD avec nos potes de l'époque, qui sont toujours nos meilleurs potes de maintenant, qu'on voit toujours. Poups, pas cool. Bah, Pierrot, mais on le voit un peu moins, mais il est toujours là aussi. Bah en fait, on commençait à se passer des CD, des trucs, et lui, ce qu'il a vraiment retourné, c'est Maiden. Ouais. Ouais, bah ça j'ai vu Ouais. ça parce qu'une fois quand il y a Blaise Bellet, hein, qui est venu chez vous, il avait fait un titre, hein, de je sais plus quoi, puis il te dit c'était, je te voyais sauter à côté de lui, tout ça, t'étais tout joyeux, tout ça, je me rappelle de cette vidéo, ouais, bah Ouais, oui. j'ai été le voir à Orléans, ouais. Bah, c'était un Ouais. peu un rêve de c'est con, mais. Non mais c'est superbe, hein, de toute façon c'est Ouais. clair. Bah, Tu disais une anecdote, hein, sur un live qui t'a marqué. Bah moi c'est le live des Slayer, hein, Decade of Aggressions, tout de suite, ça m'a, tu vois, enchaîné sur Metallica, Slayer, Maiden, le live After Death qui est juste le truc le plus génial qui magnifique. puisse exister. Après tu les as vus en concert et tout, tant mieux parce que faut les voir ces groupes-là, quoi. Hein, bien sûr il y a la scène locale, mais il y en a ceux qui nous ont donné envie, hein, d'écouter puis de l'aimer encore plus, hein, en profondeur et voilà. D'autres choses Ouais, bah, à... Ouais. c'est clair. Mais du coup, on était très jeunes quand on a découvert ça. C'est vrai que moi, je dois dire vraiment, si je dois donner une date où vraiment je me suis mis à fond dedans, parce que moi j'en écoutais, mais je connaissais rien. Je connaissais deux, trois groupes par-ci, par des potes, à ma frangine, parce que bah, ma sœur et mon frère avaient beaucoup de potes qui écoutaient de ça. Et du coup, ils nous faisaient découvrir deux, trois groupes, mais là où vraiment je m'y suis mis, moi c'était 94. Donc Mike, D'accord. c'était à peu près à cette époque-là aussi. Donc moi, j'avais 9 ans. Lui, il avait bah, 7 ans. Bon. D'accord.
Donc ouais, on était gosses, hein, on était. Une fois qu'on y est, en général, enfin, si on n'aime pas ça, c'est. C'est fini, ouais, on n'en démord plus, ah, je suis d'accord. ouais. C'est voilà, Du coup, on n'a jamais bougé de ça. Ouais. Pourtant, on écoute quand même d'autres trucs, on est beaucoup rock'n'roll, on aime beaucoup bah, le bien sûr, blues. bien sûr. On a beaucoup de trucs comme ça. Je sais qu'il y a quelques trucs de funk que j'apprécie beaucoup, bah, comme James Brown. J'adore James Brown, c'est vraiment un ouf, ce mec-là, ainsi que Jamiroquai. J'aime beaucoup les albums de Jamiroquai, surtout les premiers. Des trucs comme ça. J'aime aussi le classique, la musique classique. Alors, je suis pas très connaisseur, hein, parce qu'il y a tellement de choses, tellement de Ouais. trucs. Enfin, je me perds un peu là-dedans, je peux pas tout connaître, mais j'apprécie beaucoup la musique classique. Mais non, c'est vraiment le métal. Le métal. Oui, de toute façon, ça reste une passion qui est hors pair. Et puis, bien entendu, on aime tout autre style de musique. Que de toute façon, la musique, hein, je veux dire, quand tu as des artistes, hein, autres que la scène locale métal qui y mettent son cœur, qui y mettent une âme, bah, c'est sûr, hein, on n'est pas bloqué que sur un style en lui-même. Et le métal, c'est tellement vaste Ah en ouais. termes de style. Enfin, je veux dire, tu peux. Enfin, c'est vrai que quand tu passes un Nile et après tu te passes un Symphonix, par exemple, enfin, tu vois, le métal, c'est tellement vaste, Oui, quoi. c'est vrai que Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, en fait, grave. ça va d'une extrême à une autre, hein, de Voilà. Et black puis, metal jusqu'au grind. c'est de plus en plus varié, en plus, avec le temps. Quand tu vois maintenant, ils commencent à mélanger de tout, quoi. De tout, Et puis, moi, ce que j'aime vraiment dans le métal, c'est que c'est la musique la plus franche du monde. C'est l'une qui ment pas. Alors après, il y a des groupes qui sont Oui, que tu toujours. sens plus que d'autres. Enfin, moi, personnellement, je le ressens comme ça. Mais c'est vrai que c'est une musique qui va droit au but, on tourne pas autour du pot, C'est ça. c'est voilà. Mais je vois ce que tu dis. Ouais, c'est quelque chose qui est très franc. Tu rencontres des gens extraordinaires. Moi, ça a toujours été ça. C'est une sacrée expédition. Si vous, en plus, vous faites des tournées et tout, enfin, vous devez en découvrir, hein, que ce soit des fans, des groupes et tout. Enfin, c'est waouh. Les tournées qu'on a fait, on a pu aller en République tchèque, en Allemagne, Italie, des trucs comme ça. Enfin, moi, j'adore, hein, en plus parler avec les gens de là-bas, quoi. Enfin, découvrir un peu leur culture, tout ça. Je sais qu'avec nos potes de Rabid Dogs, un groupe de grindcore italien qui faisait partie aussi de Tools of Torture, Brutal Death Et Bestial et Bestial. Devastation à l'époque, je sais pas si t'as. Et du coup, c'est des mecs qu'on avait rencontrés en 2007 ou 2008, je sais plus exactement. Et on avait été tourner chez eux en 2009, si je me trompe pas. Et c'était génial. On a pu jouer, bah, avec Putrefitty à l'époque, justement, qui est un putain de groupe de Brutal Death qui déboîte. Hein. Et enfin, je sais qu'on a pu vraiment découvrir leur pays grâce à eux, et qu'ils ont pu nous parler un peu de tout, aussi bien leur politique que bah, leur bouffe, qui est super bonne. Enfin, on a pu vraiment délirer, et puis parler avec beaucoup de gens de là-bas. On a pu pas mal échanger. On a pu aussi, bah, pas mal parler avec un des mecs qui jouait dans Obned, leur chanteur, là, Babou, qui est décédé malheureusement. Un truc que ça, ça nous a foutu un peu les boules parce qu'on ne le connaissait pas beaucoup, ni on l'avait rencontré une fois, mais on avait passé 4 jours ensemble, et il nous a laissé un très gros souvenir dans nos cœurs, et de savoir qu'il est décédé, ça nous a pas mal fait mal. Nous avons payé chez lui, on avait vu son serpent et tout, on avait bien déliré. Bon, c'était bien sympa. Et du coup, c'est vrai que découvrir ces trucs-là, c'est cool, quoi. Même la Ouais, c'est République tchèque, génial. les gens sont très sympas, quoi. Un peu spécial parce qu'ils parlent pas trop anglais, et puis là, tu sais pas trop ce qu'ils pensent, mais enfin, moi, je les trouve sympas, quoi. On passe toujours de bons moments en République tchèque, c'est toujours la fête là-bas. Je vois franchement tout ce que vous partagez et tout. Là, c'est bientôt la fin de l'interview. Enfin, franchement, vous avez énormément de choses à dire. Donc là, je vous le dis tout de suite, hein, 1 heure d'interview, je vais faire 2 émissions. Hein, j'ai pas le choix. Hein. Super. Hein. Tout ce que vous avez Ah transmis. oui. Ouais. Après, Non. sinon, c'est qu'une heure d'interview, puis il n'y a pas de musique. Alors. Ouais, ça marche. Oui, il n'y a pas de Mais problème. là, en ce moment, de toute façon, je fais mes émissions aussi en fonction de ça. Hein. En fonction de la longueur des interviews, si ça dure plus de 30 minutes et tout, comme ça je couperai l'interview en deux et puis je vais faire 2 émissions. Ok, bah c'est franchement c'est super hein, tout ce que vous partagez, donc mes chers amis hein, de Savage Annihilation, les deux frangins qui sont plongés dans le métal depuis l'âge de 7 et 9 ans, hein, vous vous rendez compte hein? C'est juste génial et toute la passion, tout le partage que vous avez, c'est super, j'ai qu'une seule hâte, c'est de vous revoir la prochaine fois sur une date, si vous, hein, en passant par la Lorraine, hein, mettez vos sabots, tout ça,
Et vous me Mais contactez, on puis espère bientôt. on se cale, hein, voilà, puis il n'y a aucun souci, quoi. D'accord? Alors, vous avez un mot à rajouter, c'est le dernier mot, donc c'est ton dernier mot, Jean-Pierre, ok? Juste pour nos auditeurs de Radio Campus Lorraine et ceux de United Rock Nations, hein. Voilà, c'est à vous. Vas-y, commence, j'en dirai après. Merci d'avance pour votre soutien. Écoutez, le nouveau Savage Generation, Ouais. on espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à écouter tous les petits groupes qu'on vous a mentionnés pendant l'interview. Un grand merci à toi, surtout, d'être venu vers nous pour cette interview qui était bien sympa. Et puis voilà, soutenez Savage, Xenocorp, Defecal, enfin voilà, tous les groupes qui déchirent. Moi je tiens à te remercier pour ton interview et puis pour tout ton soutien. Et ainsi que toutes les personnes qui nous soutiennent depuis toutes ces années, même s'ils nous soutiennent même depuis 3 mois, c'est pas grave, mais on s'attendait déjà même pas à l'époque où on faisait de la musique, à sortir des albums et à faire des concerts. On voulait juste faire de la musique pour nous, qu'on continue à la faire. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un jour sortir des albums, surtout en digipack, que les mecs ils l'achètent. Moi je tiens à remercier vraiment du fond du cœur tous ceux qui nous soutiennent, qui soutiennent le métal, qui soutiennent tous les groupes underground, et qui font que voilà, c'est les fans qui font qu'il y a du monde en concert. On pourrait venir en concert, mais il n'y aurait personne, c'est pas un concert, c'est juste des mecs qui sur une scène vide, quoi. Donc merci à tous ceux qui soutiennent ça et qui soutiennent tous les groupes français, ainsi que mon duo, bien sûr, quoi, de tous. Voilà, merci à vous tous. Et merci à vous pour l'interview. Et tu parles, moi aussi, hein, tu dis on ne savait pas qu'on a acheté le Digipack. Sache que j'ai mon maillot avec mon nom derrière, hein, tu vois, donc je suis pas sûr que tu le vois là. Ça, il le tour du métal, donc c'est mon La maillot pour la classe. radio. C'est sûr, j'aurais préféré avoir le maillot Savage Annihilation, mais comme pour les problèmes qu'il y a en ce moment avec les livraisons et tout ça, donc je regarde. Bientôt tu l'auras très mais, bientôt. Oui, je l'attends de toute façon. Puis si je suis pressé, voilà. Mais bon, moi je connais les circonstances, il n'y a aucun souci. Eh bien écoutez, je vous remercie énormément sur cette interview qui était super riche. C'est toujours un moment de plaisir de partager, je suppose. Oui, merci à toi. Merci à toi, Comme je vous dis, hein, je vous ai rencontré donc en 2017. J'ai pas dit non, Savage Generation, j'ai dit tiens, si Savage Generation. Dès qu'il ressort quelque chose, clac, et ça m'a buté direct. Et voilà. Moi, je reviens parce que j'aime, tu vois. Et quand j'aime, je partage et je vous partage tout ça. N'est-ce pas, mes chers amis? Voilà. Merci beaucoup. Un grand merci à toi. À très bientôt. Bye bye. À très bientôt. C'est la fin de l'interview. Ciao, ciao. Ouais, merci Cyril. Merci encore.